Tout de suite, je vous donne un petit conseil de lecture. Enfin, moi, je ne vous donne rien du tout. Un conseil qui vous est offert par le 511e sociétaire de la Comédie-Française. Mais oui, Laurent Stocker est actuellement à l'affiche de La Mer. La Mer, c'est une pièce d'Edouard Bond. Elle est mise en scène par Alain Françon. Et Laurent Stocker a accueilli les caméras de la grande librairie dans le foyer des sociétaires du français. Et il répond à cette pénétrante question. Qu'avez-vous lu, Laurent Stocker? Conseil. J'ai lu un livre que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle La Cage de Christophe Boltanski et qui est un livre absolument magnifique parce qu'il se lit d'une traite comme un polar, comme un cluedo, d'ailleurs il en parle lui-même dans le livre. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'entre les chapitres, il y a un croquis d'un appartement et cet appartement évolue exactement comme vont évoluer les personnages du livre. C'est toute la famille Boltanski et on a très envie de voir comment ça va évoluer. C'est dans les heures les plus sombres de l'histoire de France, donc ça se passe dans les années 40. Ce qui m'a touché, c'est la façon dont un petit enfant évolue au milieu de son oncle, sa tante, ses grands-parents, et comment les personnages s'articulent, comment ils s'entraident, et comment finalement, à la fin, même la personne qu'on aime le plus ou qu'on pense être la plus à même d'être sa mère ou sa grand-mère disparaît sans que personne ne nous dise rien. Vous savez, ça fait partie de ces livres où presque vous vous réveillez la nuit en vous disant mais qu'est-ce qui se passe après, etc. Et je ne peux pas vous raconter la fin, mais il nous emmène dans un endroit incroyable qui est évidemment une cache, et je ne vous dirai pas ce que c'est, je ne vous en dirai pas plus parce qu'il faut lire le livre.